infiniment vraiment pour votre temps. Et nous avons commencé et ma question va à vous. Comment vous avez su, maman Odile, en regardant le pasteur Léon, comment vous avez su que c'est l'homme? Il y avait tellement de choix. Je parie que vous avez des candidats autour de vous. Et nous avons comment vous avez su et ma question en regardant va, cet homme, et je parie qu'il n'était pas comme il est aujourd'hui. Comment vous avez su comment vous avez que c'est su, lui? Maman et de la Odile. Même façon avec pasteur Léon, lorsque vous en avez regardé le pasteur Léon, comment vous avez su que plus c'est de l'homme. 20 ans passés, comment vous avez su que ça va être la femme du ministère, ça va être la femme de votre vie? Il y avait tellement de choix. How did you know that candidate autour de vous? Et nous avons comment vous avez su? How did you know that? Et de la même façon avec pasteur Léon, lorsque vous avez regardé cette femme, comment vous avez su? Plus de 20 ans passés, comment vous avez su que ça va être la femme du ministère, ça va être la femme de votre vie? Il y avait tellement de choix. How did you know that candidate autour de vous? Et nous avons comment vous avez su? Plus de 20 ans passés, comment vous avez su? Que les gens prennent à la légère un peu, je ne sais pas si les gens vont être la femme du ministère. Je demande simplement qu'il y ait un mouvement. À part les trois coups, est-ce que vous avez des candidats autour de vous? Que les gens prennent. Voilà, rapidement, je vais répondre à cette question à la légère, parce que c'est les gens l'homme de ma vie. Je vais vraiment être très sincère avec vous. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais toujours chrétienne, mais je n'avais pas vraiment, c'est l'homme de ma vie. Que les gens, et ce qui est vrai, c'est que nous, notre amour a commencé par l'amitié. Vous étiez des très bons amis. Je vais répondre à cette personne à la légère. Je ne sais pas si les gens m'ont dit. Je vais vraiment être très sincère avec vous. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, je n'avais pas vraiment trouvé quelque chose en moi. Mais moi, en réalité, je vais répondre à cette personne à la légère. Une personne normale. Et c'est avec ça qu'il a perdu. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment trouvé quelque chose dans ma prière. En réalité, j'étais un chrétien, puis quelqu'un chrétien à la légère. Tu sais, quand tu as vécu dans une famille, où ta mère a vécu, à un moment, ça vient de chercher, ça vient, mais je n'avais pas dans tes plannings. Tu as vécu dans mes familles. Voir la femme comme on avait bien dans quelque chose dans mes familles de gens de mon considéraient pas vraiment la femme. La femme était faite juste pour faire des enfants et puis rester à la maison, donc faire le ménage. Donc la femme n'était pas valorisée, mais juste valeur. Voir la femme comme je n'avais pas besoin que la femme je ne sais pas s'il y a de mon travail. Je vais être différent de ce que je vis. Et les seigneurs écoutent la prière. Dieu est fidèle à la femme. Rester à la maison, donc faire le ménage. Donc la femme n'était pas valorisée. Comment vous savez que c'est elle? Vraiment, Père, on bénit le Seigneur. Merci à nos bien-aimés, merci au couple merveilleux d'Yélé. Et les seigneurs écoutent la prière. De partage, je vais me faire du bien. Bon, je vais dire ceci d'emblée. C'est vrai que maman Odile vient déjà de relater un peu en résumé. Serviteur jeune à l'époque, on se disait, je prie de rencontrer l'âme sœur, la personne, l'échange, Dieu me rassure. Je vais me faire servir mes sœurs qui nous entouraient déjà des relations. Je suis encore dans la cellule, là où j'étais. Mais avec le temps, je me rappelle, c'était d'abord
Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a commencé à parler, c'était d'abord ça. Et puis on s'est revus, on s'appelle, c'était d'abord on s'est vus à l'église. Et c'est parti de là, depuis fur et à mesure, elle s'ouvrait un peu sur certaines choses et j'ai vu que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a commencé à parler. C'était un peu ça, on échangeait. On a plus échangé. Et puis on s'est revu. On s'appelle, c'est d'abord. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Avec Jules. 25 ans. Depuis qu'on s'est connus, 25 ans. Vrai un peu. Sur certaines choses, et j'ai vu que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a commencé à parler aussi, mais Dieu nous a fait grâce au début de nous donner des signes. À un moment, tu sais, on échangeait, c'était plus échangé. Et puis j'ai appris, on s'appelle, c'est d'abord. Donner des signes, c'était vraiment convaincant. Je pouvais que m'incliner devant ça. Ça fait. Depuis qu'on s'est connus, 25 ans. All the couples have 20 years of marriage. What's a blessing and what's an honor. And we really... I have 20 and more. 20 and plus. We know that through this 20 years, you guys have experienced good time and bad time. And we would like to grasp, we would like to get the wisdom. How did you guys maintain this relationship? So, à travers ces 22 ans, vous avez eu des moments difficiles et des moments de joie. Et on aimerait vraiment en tirer davantage. On aimerait pouvoir aider les couples, les jeunes couples, les vieux couples, les gens qui sont ensemble et qui se demandent comment maintenir cette relation. Alors, ma question how do you share it? Parce que notre thème est l'amour et le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur aimerait vraiment ce vœu de faire la différence et d'avoir se chérir. Alors, how do you cherish after many years? How do you keep the flame? How do you keep that romance after many years? What is your strategies? Comment vous gardez la flamme? Comment vous vous chérissez après tant d'années dans le mariage? La question va. Who should go first? C'est lui. J'aimerais pouvoir rappeler à toutes les personnes qui sont connectées. Est-ce qu'on peut garder un seul téléphone connecté? I would like to remind everybody, can we have one phone connected? So if you're in a couple, can we keep one phone? That will allow others to be able to connect again, because with multiple, it's very hard, and also to hear each other. If we can have one phone only in the house, that will help actually to have many connected. So going back to my question, how do you cherish each other? How do you keep the flame or the romance? Comment vous chérissez? Comment vous gardez le romantisme? Et je veux commencer avec Papa Alain. Comment vous gardez? How do you keep that? Je crois que tu as dit une chose. Non, Maman Denise a dit une chose. Maman Denise says something that I love so much about having someone who loves God more than you. It might be too spiritual for some people, but it's so important to have someone who loves God. Let me tell you this. Sorry to interrupt, Papa Alain. I'm just going to translate so that our Montreal couple also will be able to understand what we're saying. All right. So go ahead. Say what I have said. Maman Denise a dit quelque chose de très important, qu'il est essentiel de pouvoir... Sorry, can you repeat? Go ahead. Love someone that you married will love God more than you. Et la personne que vous allez trouver va aimer Dieu plus que vous, elle va vous aimer. I'm going to explain why am I saying this. Et je veux pouvoir expliquer pourquoi je le dis. Love is like a triangle where God is on the top and the couple is in the other corner of the triangle.
Alors, l'amour est comme un triangle où Dieu est au-dessus de pyramide et le deux couples se tient au bout. The more you come close to God, the more you come close to one another. The more you love God, the more you come closer to one another. Plus vous vous aimez, plus vous vous rapprochez de Dieu aussi en tant que couple. Non, plus tu aimes Dieu, plus tu te rapproches aussi de ton partenaire. Parce que le triangle étant comme ça, nous qui sommes ici, en aimant Dieu, on s'approche de Dieu. We go toward God by loving Him, by learning who He is. And the more we go closer to God by knowing and loving Him, the more the distance between the couple is reduced. You got it? 100%. Plus nous aimons Dieu, plus la différence ou la distance entre les couples est en train de se rétrécir, nous sommes en train de se rapprocher. And that's why I say it's very important to someone who loves God. Loving God, knowing who God is going to help you to know your partner and even to love her more. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est très important d'aimer Dieu. Et tout en aimant Dieu, ça va vous permettre d'aimer votre partenaire et de pouvoir mieux le comprendre. Et je dois dire que, let me say in English, my wife can tell you, one of the first things I told her is, I love you and I will learn to love you. And that's the way it went. The more I was learning from God, the love of God and the love of my wife was going even more through what I was learning from God. Alors, une chose que je peux vous dire, et ma femme peut témoigner dessus, comme je lui avais dit, je veux t'aimer et je veux apprendre à t'aimer. Plus j'aimais Dieu, plus j'apprenais de l'amour de Dieu, ça me permettait de pouvoir mieux aimer ma femme. Et ça, c'est une des choses qu'on a gardées, one of the things that we have kept. But something else I got to say in the practical way, I like when I've learned a lot when my wife will give me a gift. It just reminds me, keep the fire, you know. When she does something special, and I've been doing the same, trying to see what can I do. And I remember one day we have a fasting in the church, and the fast will start from 6 to 6. At 4:30 a.m., I will cook for her, make a good breakfast, and bring her when she stay on the bed. And then I just do that for her, and at 6 o'clock, we cannot eat and we get into fasting. And I was trying to see, what can I do? Alors, une chose pour pouvoir être plus pratique, c'est que le pasteur a fait, c'est que c'est de pouvoir se donner des cadeaux. Ils se donnent des cadeaux mutuellement. Mais une chose, mettons, lorsqu'ils sont en train de jeûner de 6h à 6h, il va se réveiller à 4h du matin, faire un petit déjeuner pour pouvoir plaire à sa femme. Il essaie de trouver des stratégies, comment est-ce qu'il peut plaire à sa femme, comment est-ce qu'il peut faire plaisir à sa femme. And yeah, that's about it. You try to find something that you can do that will make a difference. That's how we... When I was young, I have a lot of, you know, way of thinking about romance, what it's supposed to be. But I got to say, in the practical way, I still have to learn. I'm not the romance that I was dreaming, but I'm trying. I'm doing my best, and I'm learning still. So I got to be frank. I do what I can to make her feel good. And he's doing good. Don't worry. He's been doing so good. Alors, ils sont en train de dire que lorsqu'il était jeune, il avait une façon de pouvoir voir le romantisme. Comment est-ce que le romantisme devrait être? Et au fil des années, il essaye et il fait deux efforts. Et maman Nénette est en train de l'encourager en disant que oui, il travaille très bien. Mais comment garder cette flamme-là d'être romantique avec différentes choses? Wow, blessing. So thank you so much for sharing the tips. Merci de nous donner ces genres de tips. It's helping a lot of couples that has been years in marriage and they're wondering, how do you keep the flame? So maman Odile, papa Léon, give us more tips because as we know, when you're getting married, it's the beautiful, it's pink, it's rose, it's sweetie and everything, it's beautiful. But after a year, après quelques temps, dans le mariage, on sait que les choses, la routine commence, les enfants commencent. Comment vous arrivez à maintenir cette flamme? Donnez-nous un peu de tips.
comment vous gardez votre amour encore frais? Vous avez l'air tout mignon, vos t-shirts sont en train de matcher. C'est quoi le stratégie? C'est quoi le tip? Donnez-nous un peu des choses, comment garder cette flamme et garder ce romantisme dans votre couple. Allô? Oui, on vous entend. Oui, vraiment. Mais je dirais, c'est vrai que c'est un travail. On s'apprécie chaque jour. Ça, je dois quand même le dire aussi. I'm going to say that it's really a work and we appreciate each other every day. Mm. Tu dois savoir, une fois que tu t'es déjà engagé, c'est pour la vie. Ça, c'est d'abord ce que nous avons appris aussi. You have to know that when you engage for yourself, it is for life. L'engagement est sacré. The engagement is it's sacred. Et quand tu aimes une personne, and when you love someone, tu aimes ses qualités. You love his quality. Mais cette personne aussi a des défauts. But this person also have, how you say it? Comme nous aussi, on a nos défauts à nous personnels. As also you have also your bad stuff or your bad behavior, your bad, yeah. Mais on doit travailler ensemble. But we have to work together. Pour sortir le meilleur, l'excellence. To come out the good and the excellence. Et c'est comme ça qu'on arrive à donner le meilleur même aux gens qui nous entourent. And this is the way that you can give your best even among the people that are surrounding you. Alors le jour où j'ai rencontré Maman Odile, so the day I have met Mama Odile, je lui ai dit, j'aimerais faire une histoire vraie. I told her I would like to make a real story. Cela veut dire, s'il y a des histoires qui sont passées, ce sont des fausses histoires. Meaning that if I have passed history, that means they were fake. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est une histoire vraie et avec le Seigneur. But what we are about to build, it will be real with the Lord. Vous savez, comme le pasteur était en train de le dire tantôt, si le Christ est au centre de votre union, c'est possible de réussir et de vivre ensemble. And as pastor was saying, if Christ is at the center of your marriage, it is possible to live happy and to live together. Alors, depuis ce jour-là que j'ai aimé mon épouse, since that day I've been loving my wife, j'ai cru en elle, I believe on her, qu'elle était... apte, qu'elle était aussi capable d'être une bonne épouse. I believe that she's apt and that she can be a good wife. Et je pouvais aller ressortir ce qui était caché en elle en disant ceci, tu es capable de faire aussi ça, tu es capable de faire ceci, cela. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu des cadeaux, il y a eu des signes, parce que dans l'amour, il faut qu'il y ait des signes. Et ce n'est pas seulement le premier jour, mais chaque jour qui passe, il faut qu'il y ait des signes qui accompagnent, il faut qu'il y ait des belles paroles pour l'autre partenaire. Ça, c'est très important. So I was able to encourage us to bring her, but through the year and through, can someone turn off the mic, please? Their mic. We can hear the background, please. Thank you. So excuse-moi, juste un truc. S'il y a quelqu'un qui gère les zooms, il peut fermer le micro des autres. Ça, c'est possible. Oui, je veux demander aux médias de pouvoir bloquer tous les oui. Merci infiniment. Alors, so Pastor Leon was saying that through the years he was able to give us, it's very important to be able to give gifts, to be able to cherish one another by giving, but also expressing your love with words. Donc, c'est ça, j'ai appris à apprécier mon épouse, à dire de bonnes paroles, à dialoguer avec elle. C'est très important. Elle est d'abord la première amie que j'ai. Donc, je dois la faire confiance. En étant même pasteur, je dois d'abord commencer par ma maison. C'est ce que la parole nous demande aussi, à travailler pour l'excellence, pour l'équilibre, la bonne communication, savoir apprécier mon épouse. Parce que si tu n'apprécies pas ton épouse, tu risquerais d'aller apprécier une autre personne alors. Alors, c'est avec elle qu'on vit, donc on l'apprécie. Donc, on fait le travail ensemble. Nous sommes une équipe ensemble. On s'est dit la vérité, on se parle. C'est ça même l'amour. L'amour se parle, l'amour s'encourage, l'amour doit s'entretenir. C'est un peu ça. On travaille ensemble. Donc, je la passe la parole. Si elle a ajouté, s'il y a des questions, on pourra toujours avancer. Je veux juste traduire. So, as a pastor, they work as a team.
they build each other, as the Bible says that you have to first serve your home. So he starts by building his house, building his home, by encouraging one another, by building, by working together. But also she appreciates her wife because she's the first person that she needs to love. This is her best friend. And if she doesn't, he doesn't love her, he will make good look at outside. So he starts by appreciating the person that God has put on his side. Oui, Maman Odile. En fait, moi, je voulais rajouter une chose pour dire que le mariage, d'abord, étant une institution de Dieu, parce que le mariage, ce n'est pas une institution humaine, donc c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et vu que c'est Dieu qui l'a instauré, donc c'est Christ qui est notre modèle. Alors nous, nous sommes un couple chrétien, ça veut dire que c'est Christ qui est notre modèle et à chaque fois que nous avons affaire avec lui, nous faisons tout ensemble. Ça veut dire que nous avons une routine que nous faisons d'abord nous deux ensemble et que nous faisons aussi, que nous associons aussi avec les enfants. Donc, nous faisons beaucoup des activités aussi ensemble. OK, je vais laisser le temps pour que tu interprètes. Merci. Merci. Alors, so as Christ is the center of their marriage, they build everything together. They do activities as a family with the children. They do everything. They work together, if I can summarize. Oui, maman. Parfait. En fait, ce que je voulais aussi dire, c'est que ressentir la constance de l'amour et la sécurité de son conjoint ou de sa conjointe, c'est vraiment une bénédiction. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs couples qui se disent qu'ils sont en couple, mais seulement d'apparence. En réalité, okay, ils sont déjà séparés, mais ils font juste rester là pour donner l'apparence qu'ils sont encore mariés. Donc, quand je disais que l'amour est très, très important, oui, le pasteur Léon l'a dit, l'amour ne se limite pas seulement à parler, je t'aime, ça se limite là. Non, mais il y a des gestes aussi qui accompagnent nous. Et on a plusieurs façons où on garde vraiment la flamme. Moi, de nature, je suis une femme très, trop drôle. Et à côté d'Élie, lui, il est toujours sérieux. Et moi, j'ai toujours des blagues. J'ai toujours des blagues, comme ce matin, c'est moi qui l'a coiffé. Puis je lui dis... Donc voilà, je te laisse interpréter, après je vais continuer. So she's saying that how important love is in a marriage, because you may see in different couples that they're just appearance. They look being a couple, but down there, they're no longer a couple. So she's the kind of woman who likes to make jokes. And Pastor Leon is the more serious one. So she was sharing that this morning, she even did the haircut. Look at him. He looks beautiful. Like he went to the salon. So he did an amazing job. C'est ça. Ça, c'est les heures de confinement. Le confinement m'a appris à coiffer. Je ne savais pas coiffer. Mais c'est vrai que quand on s'est aimé, il avait tous ses cheveux. So when they love each other, he has a hair, but now she has learned how to do the haircut now. Bravo, maman. Bravo, maman. Je crois qu'il a perdu ses cheveux parce qu'il m'aime beaucoup trop. Hein. She's saying that Pastor Leon has lost his hair because he loves it so much. Donc voilà, il y a plusieurs trucs qui nous permettent de garder la flamme. Donc, on passe beaucoup de très bons moments ensemble. Et moi, des fois, je peux mettre la musique chrétienne pour rien et puis me mettre à danser, appeler mes enfants. Puis, donc, des fois, je lève aussi de la chaise. Je dis, on va danser. Puis, des fois, ça ne le tente pas, mais ils dansent quand même. So one other thing that's to keep happy, she will put the music and dancing around and having Pastor Leon dancing around just to keep romance and being happy. Thank you so much. Merci infiniment, Maman Odile. So we're talking about marriage, we're talking about couple, we're talking about different things of couple, and we know that, as we said, it's not always romance, it's not always beautiful. Life comes in and there's so many challenging. So my next question goes to the Ellis couple. What is the importance of relationship, of intimacy? Ma prochaine question est, c'est quoi l'importance? Quelle importance il y a dans les relations intimes? Après beaucoup d'années dans le mariage, quelle est la place de cette relation intime dans un couple? What's the place? What's the importance of intimacy in a couple or in a marriage? So it's a really good question. I really believe intimacy is super important. Because that's something that you do only with each other. And that is why it's so, so important that you have that intimacy with one another.
because everything else you do with other people, but that kind of intimacy, it's sacred and it's only for you two. And I believe once you establish that, then it's it makes it special, that something special, so special that you can only enjoy with one another. So you have to make it top priority. You have to make sure that you are enjoying one another in an intimate way, because that's something that you can only do with your partner. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas partager seulement avec votre partenaire. Pastor Daniel, you want to add on it? This is c'est une très, très bonne question. It's a very good question. Parler un peu en français, si vous me permettez, avec mon français, mais je vais revenir en anglais si Dieu me... Sure, go ahead, Pastor. Interpréter ceci, donner ça en français, j'allais dire. L'intimité est très importante. Et d'ailleurs, sa mission, c'est de renforcer la communion. Dieu l'a donné plus d'importance. Et c'est parmi les éléments les plus importants de maintenir un mariage. Sans l'intimité, il y a une grande partie de la vie d'un mariage qui est déjà soutirée. L'intimité ne peut pas être exclue, ne peut pas être ignorée. On peut compromettre deux fois. Et d'ailleurs, la Bible insiste qu'on ne se prive pas l'un l'autre. L'intimité fait en sorte que le mariage soit bien entretenu. Parce que le mariage doit être entretenu. De là où vous avez commencé, jusque là où vous êtes en train de partir. Et en tant que pasteur, c'est une inquiétude, un souci d'entendre qu'un couple ne jouit pas l'intimité. Maman Denise l'a bien dit, c'est la seule chose qui ne se fait qu'à deux. Là, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a que les deux personnes engagées dans le mariage. À cause de cela, nous ne devons pas le prendre à la légère. Nous devons traiter cette partie de la relation avec beaucoup plus d'attention. N'oubliez pas, ça a été donné pour renforcer la communion. Les enfants ne sont que les conséquences, le fruit des entrailles, les bénéfices d'une intimité vraie. Quand deux personnes vivent dans le mariage, j'allais dire, ils ne doivent pas négliger. Nous, chrétiens, nous avons pris ce côté-là de foi avec moins d'intention pour plusieurs raisons. Soit on veut devenir spirituel ou carrément l'un ou l'autre prend ça comme les anglophones disent weapon of mass destruction, c'est-à-dire quelque chose qu'ils veulent manipuler et manipuler l'autre. Donc, je ne te donne pas parce que tu ne me donnes pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu fais... Il n'y a pas de compromis. Permettez-moi, ma sœur, avec le temps que nous avons, sure. Pour et résumer, l'intimité est très importante. Le romantique et autres n'est que développé si nous savons comment honorer et respecter cette vie d'intimité. Parce que n'oubliez pas, nos parents ne nous ont pas appris comment est-ce qu'on peut gérer et le romantique et autres. Comme le pasteur Alain a dit, autrefois jeune, on savait peut-être faire quelque chose de là. Mais quand on arrive dans le mariage, ce n'est pas Hollywood qu'on voit. Ce n'est pas la personne qu'on regarde à la télévision, un film. Quelqu'un n'a pas brossé les dents, mais il embrasse. Quelqu'un, non. Ah, c'est plus que ça. Et ça doit être bien géré et ne pas être pris à la légère. Intimacy, it's very important.
it is one of the components, one of the elements that keep the marriage together. Yeah. As I said in the beginning, it is actually the gift of God in the bond of marriage. You need to know how to entertain that area. There is no manipulation. You shall not deprave one another on that particular area. You have to enjoy it together. Mama Denise said so well. It implies two people. It's more sacred. It's more. There is no children involved. It's something that the couple have to enjoy. And because of that, it must not be taken lightly. It must not be manipulative. As I say, weapon of mass destruction, some women will hold it because you have to do something first. You do this for me. You haven't done that. You are not doing this. I will not do that. Mama didn't, don't laugh. We're talking. So here, it's something that you don't manipulate. Absolutely. And the scriptures say you do not have to deprave to one another. You have to, through intimacy, we enjoy life. We reinforce communion. Yeah. The children are only the consequences. They are of your love. Yeah. It went well, and then they come. But everything began from the intimacy. So I will stop here. If you want more, next time we'll talk about this area as God allowed us to talk. Thank you so much. More juicy stuff. Thank you so much. Thank you so much for this answer. So my next question before we go in on a family is, we're talking about intimacy. We're talking about how to keep flame, how to keep the romance in the house. So we are in the stage of life that you guys are already married. And it's been years that you guys are married. So nous sommes en train de parler de l'intimité. Nous venons de parler de l'intimité. Nous avons touché au romantisme. Après beaucoup d'années dans le mariage, comment est-ce qu'on garde? Alors, ma prochaine question, c'est, I'm going to say that in English, and then I'm going to say that in French. Êtes-vous autant connecté émotionnellement, sentimentalement, qu'au début de votre relation? In English, it goes, do you feel more emotionally connected than in your early relationship? And what is the importance of being connected emotionally? Quelle est l'importance d'être connecté émotionnellement après tant d'années dans les relations? We would like really to hear from all of you. So I'm leading it for all of you. We would like to know what's the importance, or do you still connected emotionally, sentimentally? Are you still connected than when you started 20 years or 22 years ago? Pastor Leo and I were there. We had just a chat. We talked earlier. Pastor Leo et moi, nous avons eu une conversation. Marriage is spiritual also. Le mariage est spirituel aussi. Because it's spiritual. Parce que c'est spirituel. It's physical. Physique, it's emotional. Emotional. All those areas have to be well looked after. Tous ces components doivent être bien regardés. Pastor Allen said about the triangle, whereby God is on top, and then the people involved are in the horizontal. Et que le partenaire, it's very important to know that marriage. Because it's spiritual also. Que le mariage est spirituel aussi. Being nourished by God. Et nourri par Dieu. Will push other area to also be alive. And I'll talk about the emotional. Because the marriage, it's also sit on the emotional. Parce que le mariage, if it does not work well, it affects a lot of things. Si c'est là, if ne fonctionne pas, il va affecter beaucoup de choses. If you have been touched emotionally, si vous êtes particularly female, when they going through emotional stuff, surtout it touches their body. Ça touche leur corps. They don't react well physically physique, or romantic or other area. Ou it's a word you said
The action you pose, the way you treat them, all those things affect the emotional as well as the physical. So those areas are very important in the marriage. We need to make sure that the emotional are well looked after, because majority of the trouble of marriage are sitting in emotional. Dans le mariage est assis sur l'émotionnel. And if the emotional are shaking, it affects the physical, where there will be no romantic. And it affects also the spiritual, where you don't connect with God, because you have been offended, you have been hurt, you have been wounded, all those things. Just my little contribution on that area, it's very important to know that the three components, spiritual, emotional, and physical, must be always entertained in terms of cherishing and doing things right, because the three will affect the other. I don't want to go before you, other questions are coming, but that is my input. Very important. Ça, c'est très important. I wanted to just add about keeping the flame. Garder la flamme. I think one important thing is we enjoy doing things together. On essaie de faire, de se réjouir, de faire des choses ensemble. And we are interested in each other's lives. Et nous sommes intéressés dans la vie de chacun. So whatever adventure he's doing, peu importe l'aventure qu'il est, I get myself involved in it. Je m'y mets dans cela. And whatever I am doing, et peu importe ce que moi je fais, he's my 100% my biggest supporter. Il est mon supporteur numéro un. So we find our lives are very involved together. Alors nous trouvons nos vies être entramées ensemble. So all the questions I have about even my work and whatever challenges I have going on with me, he's the first person I will go to find out, what do you think? And how do you think I'm supposed to respond to this? He's the person that I go to. He's very involved. C'est la première personne qui est très involved dans ma vie pour savoir qu'est-ce que je devrais faire. And whenever he has something going on in his professional life, et quand il traverse des situations dans sa vie professionnelle, then we draw strength from each other. Et nous nous renforçons ensemble, nous joignons. And I'm 100% involved in what he is doing. Et je me mets 100% dans ce qu'il fait. So I kind of close the doors. I close the doors to the outside noise. Les portes de l'extérieur. So that we turn our hearts towards each other. Et nous tournons nos cœurs ensemble. And I think that's very, very important. Et je pense que cela est très important. And it keeps, I believe that's the foundation of the flame. Je crois que c'est la fondation de garder cette flamme. You know, when you're trying to make a fire, vous savez, lorsque vous essayez de faire du feu, even with charcoal, même or avec with du wood, bois, ou avec you, du bois, you wanna, things have to be connected in order for the fire to go from one thing to the next thing, so you get a big flame. Se répandre et avoir du flamme. Yeah, we gotta stay involved and intertwined in each other's lives. Dans la vie de chacun. So I don't know, qui veut interagir, qui veut prendre la parole, la prochaine parole, sentez-vous libre. Papa Alain veut intervenir. Should I remind, est-ce que je dois répéter ma question ou on est toujours bon dans notre question? La question est bonne. Les émotions, c'est très, très important. Pasteur Daniel a dit beaucoup comment ça interagit. As Pastor Daniel said it, ça interagit aussi avec l'intimité. It interacts with the intimacy also. Malheureusement, j'ai pas eu un mot à dire sur l'intimité, mais j'aimerais dire dans l'intimité, chacun doit avoir sa part. Each other has their portion in intimacy. Souvent, les hommes dans l'intimité sont satisfaits, les femmes sont laissées à elles-mêmes. Many times in intimacy, men are satisfied and the women are left over. Et c'est très important que chaque personne se réjouisse, comme il a été dit, et trouve de plaisir à cela. It is very important that when you
in a relationship, in intimacy, that each person is rejoicing, is having, is taking joy onto it, is rejoicing. Maintenant, dans l'émotion, quand les émotions sont bonnes, comme Pasteur a dit, ça va affecter cela. En bien aussi. When you have a good emotion, it's going to influence everything. On a bien pris soin de s'assurer que nous sommes émotionnellement bien. Taking care to making sure that you are good emotionally. Ça a un impact aussi sur notre intimité. It will also have an impact in your intimacy. Et sur le mariage en général, parce que une des causes, j'aimerais parler peut-être ça en passant, de divorce, c'est la frustration due à une mauvaise vie d'intimité. Frustration qui peut pousser à l'infidélité, qui pousse à la séparation ou au divorce. So one of the causes that may come to break a marriage is the lack of intimacy or the lack of intimacy that will bring you to infidelity and that will bring you to separation or to divorce. Donc, Pasteur a dit beaucoup. Ce que je voulais ajouter, moi et mon épouse, on sait dès le départ de notre mariage, entendu, qu'on ne puisse pas dormir dans la colère parce que les incompréhensions, les conflits arrivent. Mais on ne dort pas dans la colère. On doit se pardonner, on doit le régler avant de dormir. One thing that we have decided in our couple when we met is we will not go to bed hungry. That will make sure that whatever the conflict, whatever the situation needs to be talked out before going to bed. Ça, c'est que je peux ajouter par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. This is something that I would like to add. Moi, ce que je peux aussi ajouter, il faut toujours savoir si, comme la Bible le dit, si c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne veux pas le faire à l'autre. One thing that I would like to add, what you don't want to be, what you don't want it to be done to you, don't do it to the other. La manière que tu veux qu'on te traite, hein, tu dois aussi traiter ton partenaire. Si tu veux que des bonnes paroles, toi aussi tu dois faire des bonnes paroles, parce que c'est réciproque. The way that you want to be treated, you also have to treat the other person. If let's start talking about words, you also have to say good words as you want to receive the good words as well. C'est très important parce que ça affecte, surtout les paroles, ça affecte beaucoup. Et le genre de femme ne voit pas, mais ça affecte dans ma tête, ça affecte beaucoup de choses dans la femme, tout comme si dans l'homme. Donc, c'est vraiment vice-versa. It is very important, especially when we're talking about words. Words are very important. It affects your life, it affects women and men. So it's very important the way that you express yourself and words that is coming out of your mouth. Et donc aussi, ça affecte aussi toute la famille. Parce que les enfants aussi vont être affectés dans ça. Donc, en tant que des enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Donc, c'est très important de recourir toujours à la parole, de savoir vivre selon ce que la parole nous dit. Ça peut arriver, il y a des incompréhensions, mais ça va s'humilier et d'être capable de dire à son partenaire, pardonne-moi, j'avais mal agi. It is very important that child of God to find yourself to read the word of God, because it is through the word of God that you'll find you'll be humble. And when you find yourself in a place or you have made a mistake or you have hurt your partner, you'll be able to humble yourself and to ask for forgiveness. Yeah, c'est très important. Et bien sûr, prier ensemble, se faire confiance l'un l'autre, c'est très important aussi. Et vous allez voir, cet amour-là, ça va se répandre même dans votre famille. Même vos enfants vont savoir dire pardon quand ils ont fait mal à quelqu'un. Donc, ça sera quelque chose qui est dans la famille, qui est dans votre maison. It is very important to pray together. It is very important to be connected, because when you are humble, when you know how to ask for forgiveness, you also pass it on to your children and they'll be able also to ask for forgiveness as well. C'est un peu ça, ce que je peux ajouter. This is what I wanted to add on it. Pasteur Léon, maman Odile, les émotions dans un couple, est-ce qu'ils ont de la place dans un couple et quelle est la place des émotions dans un couple? Oui, j'ai dit merci pour les interventions du couple d'Yélé et Kazadi. Nous bénissons le Seigneur, très enrichissant. Ce que je vais dire d'abord concernant d'abord l'intimité dans le couple, c'est what très important. C'est très important, c'est très capital. C'est lié, en fait, avec même les émotions, l'intimité. It is very important. Intimacy, it's very related. It's very
And it's really related when it comes in a marriage. Je dirais que l'homme est tripartite, donc il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. As we can say that man's is meant, it has the body, it has the heart and the soul, the spirit. Alors tout ça c'est connecté. All this is connected. L'homme a le corps. Man has the body. L'homme est spirituel. Nous sommes des chrétiens. We are Christian, we are also spiritual. Si émotionnellement on est affecté, if emotionally we are affected, ça peut affecter le spirituel. It will also affect your spiritual. Ça peut toucher le corps. It will touch your heart. Et la personne est faible. And you become weak. La personne ne prie pas. And the person won't pray. L'intimité est affectée. And the intimacy is affected. Et ça fragilise une relation. And they fragilize the relationship. Donc émotionnellement, so emotionally, l'homme doit être au point. The man has to be in power. L'homme comme la femme, je dirais. As a woman as well. Émotionnellement, emotionally, doivent être au point. They have to be in good shape. Pour vivre une relation épanouie. To live a fulfillment life. Pour vivre une intimité vraiment agréable. To live an agreeable intimacy. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, même des soucis parmi des soi-disant, même chrétiens serviteurs de Dieu. Today we're facing many trials, many difficulties, even in a couple as Christians. Qui au début, ils étaient en feu quand ils se sont aimés. Where in the beginning, they were in love, in flame. Après 5-10 ans, after 5 or 10 years, cette flamme ou ce feu n'est plus là. The flame is gone. Vous allez trouver l'homme, il sert le Seigneur, la femme aussi est en train de servir. You see both men and women serving God. Émotionnellement, ils sont déjà affectés. But emotionally, they've been affected. Parce qu'il y a des mauvais propos, des mauvaises paroles qui se disent, il y a des choses. Because the treatment wasn't good, there were bad words that were saying each other. Mais ils viennent devant le peuple de Dieu, ils font semblant. But they come in front of the people of God and as nothing has happened. Et leur intimité en souffre aussi. And the intimacy is suffering as well. Parce que déjà émotionnellement, ils sont déséquilibrés. Because emotionally, they are apart. Mais ils veulent paraître forts spirituellement. Ça ne marche pas. But they want to look spiritually strong. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. It doesn't work that way, it won't work. L'homme va venir, il veut faire les miracles, mais émotionnellement, il est affaibli. Il n'arrive pas à vaincre ce combat-là. Et l'intimité est affectée. Il n'arrive pas à vaincre ce combat, mais il veut venir chasser les démons. C'est comme ça qu'on trouve des hommes qui tombent maintenant avec d'autres sœurs. Parce que là, ils sont maintenant attirés. Men cannot perform miracles because their intimacy and their lives are affected. And it's related to their ministry. And that's why you see men of God are falling. Même des femmes aussi arrivent à tomber dans ces pièges-là aussi. J'ai parlé avec un couple que j'ai réglé un problème en Europe, un couple comme ça où le mari était tellement busy, trop pris, au point que la femme s'est retrouvée dans une relation, je peux vous dire, elle a accepté devant moi. J'avais un autre pasteur témoin de la France pour régler la situation. Inimaginable, la sœur est tombée avec la personne qu'on ne pouvait jamais penser dans la vie, mais une maman des enfants. So same thing. I had a story that a man in France that was a man of God that was very busy in life that he couldn't satisfy his wife, that the wife had fell with a person that they couldn't even imagine. Why? Because the man was so busy and didn't have time. Donc je dirais ceci, nous devons entretenir ces trois aspects. Le corps, l'esprit et l'âme. Nous devons travailler ensemble. Our body, our spirit, and our soul. It's very important to maintain them. Pour qu'il y ait équilibre, pour qu'on puisse parler d'un couple en santé. Sinon, il y a des couples qui paraissent, mais qui sont malades. So that we'll have balance in life, and we're going to talk about healthy relationship, because some relationship that looks good, but they are dead or they are sick inside of them. Et pour aller clôturer, moi, je dirais ceci. Émotionnellement, il y en a qui sont affectés. Peut-être avec les langages de la femme, il y en a qui sont blessés des fois,
ça touche les psyches, ça touche même le corps après. Donc, la personne n'a plus le goût de s'approcher de sa femme. Comme un autre me disait, j'ai le dégoût parce que sa façon de parler, sa façon de faire les choses, à un moment, elle ne veut pas. Elle croit seulement que c'est elle dans son monde à elle. Donc, c'est comme ça que je n'arrive plus à avoir le goût pour la toucher. Donc, il y a tout ça, ça peut jouer aussi. So emotionally, they can be attached to a young man telling pastor that the way that her wife speaks, she speaks so badly that he doesn't feel attracted anymore. He doesn't want to go because he's so offended. It's so wounded that he doesn't want to go toward her. Et puis, il y a d'autres, je dirais ceci, maintenant, c'est l'aspect vraiment spirituel qui dérange dans certains couples et qui va aussi affecter l'intimité. Il y a des maris qui se considère plus spirituel que sa femme. Alors que c'est ta femme, vous êtes déjà une seule chair. Alors toi, tu te crois plus spirituel et ta femme est plus charnelle. Non, ça c'est faux aussi, cet aspect des choses. And sometimes it's the spiritual aspect. You will see a man that find himself that he's more spiritual than his wife, but which is not, because you guys are one. You should be at the same level. You cannot find yourself more spiritual than your wife because that can affect also your intimacy. Donc, tu as besoin de ta femme pour être fort spirituellement, comme la femme a besoin aussi de son homme pour être une femme forte spirituellement. Peu importe les niveaux que la femme peut atteindre, elle a besoin de son homme. You need each other to be strong spiritually, to support one another, to be strong spiritually. Donc, un mari aussi peut affaiblir sa femme émotionnellement par son comportement, son langage, tout ça, et affecter aussi sa femme. Il y a des maris qui n'encouragent pas de femmes. Il y a des maris qui rabaissent les femmes. Ça, c'est pas aussi bien. Can also affect his wife or can also humiliate their wife, the way that they are talking, the way that they are expressing themselves. That can really affect their wife. Après, je laisserai peut-être à Maman Odile, je ne vais pas monopoliser la parole, ajouter quelque chose. I'm passing on to Maman Odile now. OK, merci. Alors, en fait, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'avait dit le pasteur Kazadi tout à l'heure. Il avait to what Pastor Alan said. Oui. Voilà, le pasteur avait dit une chose de très importante. Il avait dit que souvent, c'est l'homme qui jouit, puis la femme reste. So sometimes you will see men rejoicing when they're having intimacy. A man would take his portion, will rejoice, but the wife is left out. Exact, parce qu'on parle de l'intimité. On sait que l'homme s'allume plus vite que la femme. Meaning that the man goes further than the woman. C'est ça. Alors moi, ce que je voulais donner, comme je ne sais pas si c'est une technique ou une stratégie aux femmes, je m'adresse aux femmes. I'm talking about women. I'm going to share some tips here. Voilà, c'est vraiment d'éviter la routine dans nos moments d'intimité. To avoid the routine in your time of intimacy. C'est ça. Il faut éviter la routine parce que la routine, à un moment, ça devient ennuyeux. Sometimes it may come boring when. Good, Maman Odile. Good, go ahead, Maman Odile. C'est ça. Donc, il faut innover. Il faut innover ces moments-là. You have to innovate. You have to find other astuces in those times. C'est ça. Des fois, on n'est pas obligé d'aller chercher ailleurs. Tu peux créer ton monde à toi. Tu peux être créatif par rapport à ça. You can be creative with what you have, with the place that you have. You have to be creative. C'est ça, parce que je ne vais pas vraiment aller trop loin. Je sais que des fois, il y a des choses. Puis on s'est dit, mais où est-ce qu'on a appris ça? Ben, nulle part. C'est arrivé comme ça avec la créativité. Puis. And sometimes we may ask ourselves, how did we learn these things? It's only by creativity that you're finding doing some stuff. C'est ça. Ça peut être dans la décoration. Tu peux changer les décors. It could be in the decoration, changing the decoration of the house. Moi, j'appelle ça le lieu saint des saints. Tu peux changer. Les I call it the holy place of holy. Oh, my sister. Amen, amen. So, comme avait dit Maman Denise tout à l'heure, c'est un endroit où on n'est qu'à deux. As Maman Denise said, it's the only place that you only share together. With the one person. Donc, tu n'as pas les yeux de quelqu'un d'autre qui va dire, ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es habillé comme ça? You don't have the judgment of the other people telling you why you dress up like this, why you look like this. C'est ça. Donc, fais-toi plaisir, innove, va chercher des idées et puis sois créative. Be
Be creative, find astuces, make yourself rejoice about it. Rejoice about it. Parfait. Et aussi, une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas négliger les déclencheurs. Je vais m'expliquer tout à l'heure. And one thing, do not neglect the flame, the starting point. Les déclencheurs, parce que des fois, comme je disais, ça peut commencer déjà dès la journée, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. And sometimes you may feel it through the day that there's something that is coming. Voilà, et avec ces déclencheurs-là, ça peut te permettre d'aller trouver des idées et d'innover ce moment-là pour que ça ne soit pas ennuyeux. So you have to find with those starting points how to innovate and how to make it beautiful. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. I just want to add one small thing. You need to celebrate. When you have something precious, something like the love that we share, I believe to celebrate. So find moments to celebrate. Create moments to celebrate. This is powerful. Maman Dine, merci beaucoup. Vous savez, il y a des choses que les mamans seulement doivent parler. C'est des fois, you know, on there's va... There's certain things that only matters a wife or woman should talk about. Je ne pouvais pas parler pour toi, Maman Dine. On parlait pour Maman Denise. Say it as Maman Denise. Tu nous as devancé, Pasteur Léon. Je voyais comme s'il nous devançait, mais on va récupérer pour balancer I've un peu. I've been saying how they went ahead of us. Parce que... Je dirais que Pasteur Léon voulait l'arrêter un moment. Mais non, Pasteur Léon ne peut pas faire des choses pareilles. Non, non, Pasteur Léon. Vous savez, jamais. L'Église souffre. L'Église est remplie de couples à problèmes émotionnels. Yeah, quelqu'un ne vient pas à l'église le matin parce que ça n'a pas marché la nuit, ça n'a pas marché. Ça a changé le programme de l'église à cause de ce qui n'est pas été bien fait là-bas de l'autre côté. Alors, nous devons en parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous devons parler de ces choses. Le mariage souffre. Et une grande partie de la souffrance du mariage, c'est la maintenance. Comment maintenir son mariage? How to maintain your marriage. À chérir son mariage. To cherish your marriage. Ce n'est qu'un élément de plusieurs, un élément qui compose d'ailleurs le maintenance de mariage. On a le respect, on a le langage, on a l'approche, on a les attitudes. The approach, the attitude. All those things. On vient vers toi. Parce que la nature se donne. La nature se donne. Ça peut commencer à la cuisine. Monter jusque là où ça peut, mais tout commence par la façon dont tu traites ton partenaire. Starts the way that you're treating your partner. Moi, je ne parle pas de la part des mamans, mais je sais que le femme peut être ce que nous voulons que soit they si on le prépare. That we want them. Si on le prépare, alors souvent them. Parmi nous, many comme nous times, sommes très vite, comme Maman Odile l'a dit, we nous are sommes so très much- et tout ce qui est visible nous attire. La femme, c'est ce qui est caché, ce qui l'attire. Donc, il faut prendre son temps, le préparer aussi. Et nous ne devons pas ignorer ces choses. Plus nous cherchons à ignorer, plus ça détruit le mariage. Ce n'est pas une prière de délivrance que tu as besoin. Non, ce n'est pas déjà une prière. Ici, c'est quelque chose que Dieu t'a donné une sagesse, la grâce de jouir avec la personne qui t'a donné. Il n'a pas donné les leçons à Adam et Ève de dire à Adam, tu vas le faire deux fois par jour, trois fois par jour, une fois. Non, Adam a géré ses affaires. Donc, ce qui veut dire le spirituel ne peut pas être mis avant l'émotionnel dans ce cadre d'intimité. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que, comme Pasteur Laurent l'a bien défini, à les trois parties de l'être, l'âme, le corps et l'esprit. Donc, nous devons bien gérer le corps et l'âme parce que c'est ce qui nous jouit. Depuis la chute de l'homme, nous sommes restés avec ça. C'est l'âme qui est en train d'activer les choses. Quand bien même l'esprit de Dieu est en nous, maintenant commence à nous rediriger à beaucoup de choses. Nous devons savoir, on ne peut pas négliger l'intimité. Et si nous sommes là aujourd'hui, couple, moi je vous conseille,
de bien gérer cette partie, donner à la femme ce qu'elle doit, c'est-à-dire la jouissance. La femme n'attend pas seulement que toi tu t'es satisfait, elle attend la jouissance. Pastor, you're going so ahead. Interprétation. Ok, je vais m'arrêter ici, juste souligner ce que Maman Odile a dit. Just allowing me to translate. Just allowing me to translate for what you're saying. Ok. Yeah, c'est ce que je disais, nous ne pouvons pas ignorer cette partie. Nous ne pouvons pas ignorer l'intimité. You go ahead. C'est ce que je dis, nous ne pouvons pas ignorer l'intimité seulement parce que ça affecte le cycle de l'Église sur le plan relationnel, travail, même spirituel, parce que quand ça ne marche pas dans la chambre, ça affecte le genre d'église. So we cannot ignore the intimacy because it's interconnected. It's connected at church, it's connected at your workplace, everything is connected. So it's very important to manage your intimacy. L'homme doit savoir comment satisfaire sa femme, non seulement se satisfaire, parce que nous nous dégageons et puis nous les laissons sans pour autant savoir c'était quoi, c'était ton histoire, mon histoire, ou bien c'était seulement le routine de la vie. So men have to learn how to satisfy their wife because they are the givers. So they have to make sure that they are giving to their wife and they are satisfied because it's not just a one way around. Okay, I'll stop here for now. We will have another time to talk. On va parler peut-être prochainement avec d'autres choses. Mais c'est très important, maman, de dire que Dieu te bénisse. Moi, je prends ma part. Maman Denise peut témoigner, mais à Dieu soit la gloire. Merci. Thank you, you so much. You can testify. Amen. Amen. Est-ce qu'elle peut témoigner, maman Denise, aimerait témoigner? So, I testify in the church, say amen. Amen. So, thank you so much. We are really getting at the end and such a blessing time, such an honor, such a wisdom, such deep. Nous sommes en train d'aller chuter vers la fin, mais quelle sagesse, quelle stratégie. Merci infiniment pour tout ce que vous avez partagé ici. C'est en train de bénir les couples, c'est en train de fortifier un couple, c'est en train de donner des astuces. Un homme est en train de s'écouter, en train de se dire « Ah, je viens d'apprendre quelque chose ». Une femme se dit « Ah, je dois toucher plus à la décoration ». Merci infiniment. Alors, nous allons pouvoir chuter sur la famille. Comme vous le savez, le mariage, c'est pas seulement un homme et une femme, mais il y a aussi des enfants que Dieu nous bénit avec. Alors, ma prochaine question, elle est comment bâtir une famille? Quelle est la responsabilité de bâtir une famille? How to build a family? And who has the responsibility among the partner to build a relationship? We know that in African culture, and as the Bible says, that, you know, it's the woman that's supposed to build. So do you think that it's only a woman's responsibility to build a house or to build a family? Or it is both partner, both parents that are supposed to build a family and a relationship? Pasteur Léon, j'ai l'impression que vous êtes prêt à répondre à ma question. So allez-y. Ben, on bénit Dieu pour tout. Vous savez, la famille, c'est la base de la société. So family is the base of the society. Sans la famille, la société est déséquilibrée, déstabilisée. Without the family, the society is a disaster. Et lorsqu'on parle de la famille, on voit d'abord le couple. When we're talking about family, we see first of all the couple. On voit l'homme et la femme. We see men and women. Lorsque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. When God says that it's not good for a man to Dieu be alone, la famille, he was seeing the family. Il voyait la société. He was seeing the society. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. He said, I will make him a semblable God, person. Dieu, c'est un Dieu de principe. It is a principle. C'est vrai qu'il dit, l'homme est le chef, oui. He said that man, he's the chief, yes. Mais la femme est là aussi comme partenaire, conseillère. But a woman is there as an advisor, as a partner. L'homme, la femme, Isha.
the man is Ish and the woman is Isha. Elle a un rôle, la femme, à jouer. The woman has a role to play. Dans l'homme. In a man. Pour la réussite, pour l'équilibre de la famille. For the successful of the family. Les deux doivent jouer pour le bien-être, pour que la famille aille de l'avant. Both of them has to play along so that the family will be successful. L'homme doit participer à l'éducation des enfants. Men has to participate through the education of the children. En tant que homme, c'est très important. Il doit pas fuir ces côtés-là. As a man, it's very important. They shouldn't be run away. De même que la femme doit aussi jouer son rôle de mère. Same thing as a woman, she has to play the role as of a mother. Dans la famille, toujours pour qu'il y ait équilibre. In the family, so that you have balance. Parce qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison. Because we're talking about the wise woman build her house. Mais la folle renverse sa maison. But the foolish one destroy it. Cela veut dire il y a deux femmes ici, une qui est sage, l'autre qui est folle. Les deux sont mariées. But both of them are married. We have the one who build and the one that destroy. Il y a une qui fait la différence, il y a l'autre, c'est la folie qui détruit sa propre maison. There's one who's making the difference here, the other one is destroying their house. Donc il faut pas fuir son rôle. Il faut jouer bien pleinement son rôle. You shouldn't run away out of your role. You should play it completely. Pour le bien-être de la famille. For the successful of the family. On a des hommes qui sont plus trop spirituels, mais qui n'ont pas le temps pour les enfants. Ça, c'est faux, ça, pasteur. We see men that are very spiritual and they don't have time for their family. This is fake. This is not true. Il peut plus s'occuper de l'église alors qu'il a son église d'abord chez lui, Jérusalem. They want to build up the church, but they have their first church with the Jerusalem, their home. Il doit travailler d'abord chez lui. They have to work at home first. Tu ne peux pas te donner plus à l'extérieur alors que chez toi, ça brûle. You cannot give yourself out there when it's your house is burning. C'est toujours la femme qui doit éduquer, qui doit faire. Toi, tu es trop pris, non? And it's only up to the wife to educate and to take care of the kids because you are too busy. Parce qu'il s'agit de la famille. Because it's among a family. Si tu échoues là chez toi, if you fail in your house, c'est la société qui va payer les prix aussi. It is the society that's going to pay the price. D'où tu dois participer à l'éducation aussi des enfants. So you have to participate through the education of your children. Il faut qu'il y ait équilibre. You must have a balance. Il y a des femmes aussi qui fuient leurs tâches. Certain women also flee from their tasks. Qui n'est pas bien. Which is not good. Et il faut savoir lorsqu'on sait aimer. You have to know when you know how to love. Chacun son tempérament. Each person with their temper. Chacun un caractère. Each of them has their character. Chacun un langage. Each of them have their way of speaking. On mettra aussi des enfants au monde avec leur tempérament. You will also give birth to a child with different temperaments. C'est à vous maintenant de les gérer, de les contrôler. It is up to you to control them and to educate them. C'est comme ça qu'on dit d'élever les enfants selon le Seigneur. That's why they say you have to raise your children according quand to ils God. Seront grands, ils vont s'en souvenir. When they grow up, they'll remember it. Donc quand maman dit non, when mother say no, papa ne va pas venir dire oui là où maman dit non, non. Papa shouldn't come say yes when mother say no. Sinon la famille en souffre. Because the family is going to suffer from it. Et ça crée des confusions dans la tête des enfants. And it creates confusion through the children. Vous devez regarder dans la même direction, parlant un même langage. You should speak the same language and look it forward together. Pour arriver à réussir dans votre vie de famille et la société va en bénéficier aussi. Et so Dieu est aussi content. So that you can be successful and the society will benefit and God will be pleased at the end. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas, maman, d'ici si elle a quelque chose à ajouter. Je ne vais pas aussi prendre trop de temps. Bon, moi, je crois que bon, le pasteur a quand même parlé assez beaucoup. Mais moi, je vais beaucoup plus me focus sur le parent, un parent qui est désespéré. I'm going to focus to a desperate parent. Parce que ce que je vais dire, c'est que les enfants, quand ils sont petits, you know, when children are young, ils sont sous notre responsabilité. They are under our responsibility. Donc, c'est à nous de leur montrer la voie de Dieu. It is up to us to lead them through the ways of God. C'est vrai que nous sommes dans un pays libre.
It is, we live in a country that is free. Oui, mais nous, en tant que parents, nous devons guider nos enfants. En tant que parents chrétiens, nous devons les guider selon la parole de Dieu, telle que la parole de Dieu nous les recommande. But as a Christian parent, we should lead them through the word of, to the ways of God. C'est ça. Des fois, les enfants n'ont pas toujours cette envie-là d'aller à l'église ou de servir le Seigneur. Sometimes our children may not have the envy or the desire to serve God or to go to church. On comprend, c'est des enfants, ils veulent jouer, c'est normal. We understand that they are children and they would like to play. Mais en tant que parents, il faut toujours trouver un moment où nous parlons du Seigneur avec les enfants. But it's very important as a parent that you find a way that you're talking about God with your children. C'est ça, tel que la parole de Dieu nous dit d'élever les enfants selon la parole de Dieu. Quand ils deviendront grands, ils vont s'en souvenir. As the Bible is saying, to teach your children through the ways of God when they will go, when they will grow, they won't depart from it. Voilà, c'est une semence que nous sèmons en eux. It is a seed that we're putting on them. Et plus tard, on verra les fruits par la grâce de Dieu, si le Seigneur est avec eux. And later on, we'll see the fruit by God's grace. C'est ça. Moi, je dis toujours aux parents qui viennent à l'église et qui laissent les enfants à la maison, de ne pas les faire. I always tell the parents that are coming to church alone and leaving their children, don't do it. Des fois, tu demandes à un parent, où sont les enfants? Oh non, il ne voulait pas venir, il a préféré rester à la maison. And sometimes you may ask a parent, where's your children? And say that, oh, they didn't want to come and they stayed home. Bon, si un enfant décide de rester à la maison, ça veut dire que c'est l'enfant qui contrôle le parent. If a child is deciding to stay at home, that means that the child is making the decision, is taking over the parent's role. C'est ça, parce que comme le français dit, l'appétit vient en mangeant. As they say that the more you eat, the more you feel you would like more to eat. C'est vrai qu'à un moment, l'enfant lui-même va faire une expérience personnelle, il va rencontrer le Seigneur. Because we know that at a certain point, the child will meet God, they will have their own experience with God. C'est ça, mais nous sommes comme une porte, parce qu'il n'existe pas de maison sans porte. But we are like the door, because there's no home without a door. Voilà, nous sommes la porte par laquelle Christ entre dans nos familles. We are the door that Christ goes through our homes or our family. Et c'est comme ça que lorsque Christ est dans la famille, les enfants, peu importe ce qui peut arriver avec l'adolescence. And this is the same way that when they're growing, they become a teenager. Le plus important, c'est qu'il y a une semence qui va finir par croître un jour. It is very important to sow a seed that will be able to grow one day. Comme il est écrit dans le livre de Jean 16:31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison, ou et toi et ta famille. As it said in the book of John, believe in Christ, you'll be saved, you and your family. C'est ça, pour une personne qui est découragée, tu te dis peut-être tes enfants sont rendus à l'âge adulte, ils ne t'écoutent plus. For someone that is desperate or discouraged, this, you see your children that are mature or old and they don't follow Christ. Alors cette parole est pour toi, crois au Seigneur Jésus. This word is to you, believe in Christ. Ce n'est pas croire dans le passé ou dans le futur, c'est croire maintenant. Do not believe in the past or in the future, but you have to believe in the present. Et croire dans la continuité, de ne pas baisser les bras. And to believe continuously, do not put your arms down. Parce que notre Dieu est fidèle à sa parole, il n'abandonne jamais ses enfants. Because our God is faithful and he will never forsake you. Voilà, que le Seigneur bénisse les familles qui nous suivent en ce moment. Amen. May God bless the families that are following us today. Et que le Seigneur prenne place comme jamais dans vos maisons encore. And may God take place again. Soyez bénis. May God bless Amen. You. Amen. Thank you so much. We are almost at the end and I was just about to give you the mic so you can close this beautiful time that we had. We've been blessed. We've been blessed, I can tell you. I've been blessed. And I know that among the families, among the house, people have been blessed. And we really want to thank you. We want to thank you for your wisdom. We want to thank you for the time. We want to thank you that the Holy Spirit took place. You don't know the extent of the blessing. On voulait vous remercier pour votre temps, pour ce que vous avez fait. Nous ne savons pas l'impact de ces paroles, de ces conseils, de ce raisonnement. Nous savons que des vies ont été changées, des vies ont été impactées. Quelqu'un a eu la force de se dire, je peux encore persévérer. Ils ont 20 ans de mariage. Je peux encore tenir ferme. C'est possible encore. Donc, merci infiniment. Alors, nous arrivons à la fin. Je veux passer à Pasteur Daniel qui va pouvoir nous clôturer et nous dire le dernier mot. Merci.
C'est tout ce que je vais dire. Merci. Merci à toi d'abord. I want to say thank you for this travail. For this work. Et merci à, au ministère des mamans. Thank you for the woman ministry. Qui ont eu l'initiative d'extendre encore ce temps de famille. Who has this initiative to extend this family time. Et nous prions que le Seigneur va nous donner encore l'opportunité de revenir très, très, très bientôt pour continuer ce qu'on n'a pas pu dire. We're praying for more opportunity that will come back for things that we couldn't touch on. Mais nous disons merci à Dieu pour tout. But we're saying thanks to God for everything. La famille est très importante. Family is very important. Pasteur Léon et Maman Odile ont donné un résumé d'un peu de beaucoup de choses. Pasteur Léon et Maman Odile has summarized many things. La famille a besoin d'une d'un bon stewardship, à gérance. A family needs a good stewardship. La Bible dit on ne donne pas de grandes choses à celui qui ne sait pas gérer des petites choses. The Bible says that they don't give big things to someone who doesn't know how to manage the small that they have. C'est notre responsabilité en tant que parents. It is our responsibility as a parent. De gérer bien nos familles. To be able to manage our family. La Bible dit les enfants sont le fruit des entrailles, l'héritage venant de Dieu. The Bible says that kids are the inheritance coming from God. Nous devons bien gérer la famille. We should manage well our families. Qui est composé bien sûr de papa, maman et les enfants. That is compounded by father and mother and the children. Nous devons mettre Dieu au milieu. We have to put God in the center of our lives. La Bible dit si Dieu ne bâtit pas, tout celui qui bâtira l'œuvre sera en vain. The Bible says that if God doesn't build, whoever tried to build will be in vain. Et si Dieu ne garde pas, and if God doesn't keep or build, c'est aussi un grand problème. It will be also a big problem. En clôturant seulement, j'aimerais dire que nous devons prier que Dieu nous donne, nous parents, plus de sagesse. So concluding, I will ask that God will give us more wisdom as a parent. Pour que nous puissions bien gérer nos enfants dans un monde comme celui-ci, dans des vies comme nous voyons, trop, il y a beaucoup d'influences manipulatives d'ailleurs. So that we know how to manage our children in this society when there are so many outside forces. Que Dieu nous donne la grâce. May God grant us grace. Et nous allons prier que Dieu aussi veille à nos familles. And we're going to ask that God will keep our family. De toute influence extérieure. From any outside influence. Toute forme de délinquance juvénile. Any delinquency juvenile. Nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. We're going to pray that God will grant us the grace. Aux pasteurs qui sont avec nous. For the pastors that are with us. Pasteur Léon Chincola et Maman Odile de Montréal. The couple Chincola. Et le couple Pasteur Kazadi, Maman Nanette et Pasteur Alain, merci. And the couple Kazadi, thank you. Au nom de notre Église et toute le leadership de l'Église. From the leadership and the church, Maman Denise et moi-même, my wife and I, nous vous disons merci. We thank you. Et nous célébrons notre 22e anniversaire ensemble. Comme vous le voyez. Et Dieu est avec nous. Je vais prier pour clôturer. I'm going to pray so we can close. Tendre Père, dear Lord, maître des temps et des circonstances, master of time and circumstances, toi qui nous as permis d'être ensemble. You have allowed us to be together. Tu nous as réunis à travers la voie des médias. You have united us through the media. Pour que nous soyons bénis. So that we can be blessed. La Bible dit, qui dira une chose arrive sans que tu l'aies ordonnée. The Bible says, who can say something without you ordaining it? Merci. Thank you. Pour cette bénédiction que tu es en train d'étendre sur nos maisons respectives. For this blessing that you have poured in our home. Bénis-nous encore, Seigneur. Bless us again, Lord. Donne-nous encore la grâce. Give us the grace again. La force et l'intelligence. The strength and the wisdom. Que nous avons besoin. That we need. Pour jouir un mariage paisible. To rejoice a peaceful marriage. Et de vivre dans une famille bénie.
and to live in a blessed home. Préserve-nous des malins. Preserve us from the enemy. Éloigne toutes sortes d'oppression. Remove the oppression. Et couvre-nous sous ton sang. And cover us through the blood. Souviens-toi de ces couples qui est en train de souffrir en ce moment. Remember the couple that are suffering. Donne encore la paix, Seigneur. Give peace again. Restaure encore ce mariage. Restore the marriage. Ramène encore la paix dans la vie des enfants. Bring back the peace in our children. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Nous bannissons toute œuvre maléfique. We rebuke any demonic attack. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Que ta grâce soit avec nous. May your grace with us. Maintenant et à jamais. Forever and now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. God bless Merci you. Beaucoup. Thank you so much for joining us. Merci bon anniversaire de mariage à vous. Merci. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bon anniversaire, Maman Denise. Parce que thank you. Thank you. Maman Denise, I need a barbecue. See you soon. Anniversary. Barbecue. I'm waiting for it. See you soon. See you soon. All right. Bye bye. Bonne journée, bon samedi, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Merci, bonne journée. Merci, Pasteur Léon et maman. Soyez bénis, Pasteur Alain et maman. Soyez bénis. Merci. Bye bye. Bye bye.